Shalom Alechem, on est dans le deuxième Kitsur Shulchan Aruch de l'écoute Yosef. On est dans Siman Taf Tzadik Dalet, Ilchot Shavuot. Noagim le'echol ma'achale chalav v'chag Shavuot. V'chen yesh noagim le'echol devash v'chalav l'irmoz al matan toratenu shenimshela l'dvash v'chalav. Shedemar dvash v'chalav tachat eshonech. Alors on a le minhag de manger Shavuot. Okay. Du lait, du fromage, et ainsi aussi, on a le minhag de manger du miel et du lait. Pourquoi? Parce que ça fait, comment on dit, l'irmoz? Allusion. Voilà. Allusion que la Torah, elle a été comparée à Dvash v'Halav, avec le lait et le miel, comme c'est écrit, le lait et le miel sous ta langue. Il y en a qui donnent un tab, une raison. Pourquoi maintenant on mange halab? Alors, il y a beaucoup de raisons. Ils disent pourquoi? Parce que la sereta dibrot, niglula votenu kol chelke a Torah umizvotea. Quand on a reçu, et je vous dis entre parenthèses, pour savoir comment c'est possible que on a entendu la Torah, on comprend la Torah, on va appliquer la Torah. Il faut savoir, comme ça il dit le Harizal, si un homme, lui, il n'a pas été préparé, alors il ne pourra pas accomplir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il était dans le monde, dans le ventre de sa mère, le Malach, l'ange, lui, il a enseigné toute la Torah. Après, quand il est sorti, il a oublié. Puisque maintenant il est apte à recevoir la Torah, quand il va sortir, il pourra comprendre et étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'on va dire avec les convertis? Les convertis, il y a beaucoup de sortes de convertis. Il y a des convertis, que c'est des, comme c'est dit à l'Arizal, c'était des juifs avant. Puisqu'ils sont mal comportés. Okay. Alors, la colonne de Bokhu, il a dit, fais tchouva. Non, il a mis loin. Il a jeté loin. Ça veut dire qu'il a mis loin d'être juif. Et après, il attend qu'il revienne et il se convertit. Mais dès le départ, cette neshama, c'est une neshama juive. Il y a d'autres sortes de convertis. Il y a des convertis qui voulaient se convertir quand on avait reçu la Torah. Les peuples, ils sont venus vers Bilam Arasha. Qu'est-ce qui se passe? Le monde, il tremble. Tremblement de terre, quand le Bokhu va détruire le monde entier. Ils ont dit, non, c'est bon, quand le Bokhu est dans la Torah en Israël. Alors, il y en a qui ont voulu. Ils avaient peur. Si, ils vont y aller, on va les tuer. Kadosh il sait ce qui est dans le cœur de chaque personne. Ah, tu veux t'approcher vers moi? Je vais te donner la possibilité. Tout d'un coup, le bonhomme, il va aux côtés. Il est goy. Il y a une femme goya. Elle va aux côtés avec toutes ses copines qui étaient à l'église. Tout d'un coup, elle sent. Elle comprend même pas qu'est-ce que c'est. Elle se pose des questions. Mazézé. Elle devient juive. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un neshama. Neshama, qu'elle vient, qu'elle se réveille. Parce que, dès le départ, toi, tu voulais être juive, alors quand je me relevais. Alors, nous, on ne sait pas. Tous ces juifs, ils étaient préparés où? Sous le mont Sinaï. Comme ça, il dit, Arab Aigan, il dit que quand on a reçu les tables de la loi, les 10 commandements, là-bas, Kadosh Baruch Hu, Yichshir otanu le Kabbalat HaTorah. Il nous a, et Yichshir, c'est. Ils ont rendu apte. Kadosh Baruch Hu nous a rendu apte pour recevoir la Torah. Après, quand Moshe Rabbeinu il est venu, il nous a dicté la Torah, il nous a dit voilà, ça c'est la halachot, ça c'est les mitzvot, ça c'est les mitzvot, comme c'est écrit les bayim et maharat ayom hazeh. C'est après le lendemain de Yom Kippour. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le mishpat, il enseignait aussi la Torah. Vela mishpatim, shatasimifneim, que tu vas mettre devant eux. Kmo shulchan aruch, devant eux, tu leur transmets maintenant la Torah. Comment c'est possible? Parce que juste avant, ils étaient aptes. Comment? Matan Torah. C'est du Rava Egon. Mipnesh ba'aseret adibrot nidgalou, dans les 10 commandements, nidgalou la voté de kol helkea Torah ou mitzvotea. Ukmo shekatav Rav Saïda Gaon. Shebaaseret, voilà, regardez. Shebaaseret adibrot, dans les 10 commandements, kloulot, c'est inclus tous les mitzvot de la Torah. C'est l'essentiel de toute la Torah. C'est pas toute la Torah, c'est le concentré. C'est pas toute la Torah. La Torah, c'est pareil que les 10 commandements.
C'est pas comme ceux-là qui disent les 10 commandements, c'est lot tignov, lot tinav, lot tahmod, et puis ils font même tout ça. C'est ça, c'est rien qu'un hercher Torah. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de Torah aussi. Il faut savoir. Ça, c'est le but de toute la Torah. Okay. Chez Ardo, mais c'est là-bas au Sinaï. Maintenant, quand ils sont descendus du mont Sinaï, ils ont reçu la Torah. Ils sont descendus. Ils n'ont pas trouvé de quoi manger. Sauf Zulati Mahale Khala. Sauf la bière du lait. Pourquoi? Pour manger de la viande, il faut préparer cette viande-là. Il faut faire la shrita avec un couteau qui est vérifié. Ah, tu vas me dire que c'est Yom Tov. Shavuot, c'est quoi? C'est Yom Tov. Attends, Emmanuel. Je sais que... Comment? On a le droit de Shachet Yom Tov. Alors maintenant, tu dois même marcher à Ochel Nefesh, tu dois préparer, tu veux te préparer le couteau. Tu peux préparer le couteau, Yom Tov. D'après Rabbi Yehuda, non, c'est moutard. Ochel, marcher à Ochel Nefesh, c'est moutard. Si tu prends ce couteau, tu veux le préparer pour faire la shrita Yom Tov, c'est moutard. De le préparer. C'est comme ça la halakha. Je parle maintenant, si tu pouvais faire avant Yom Tov, alors non, ça assoit. Mais si tu pouvais pas avant Yom Tov, même qu'il y a une couleur dans cela, quand même Yom Tov, c'est moutard de préparer ton couteau pour faire la shrita. Yom Tov. Avec le Zébidiyavad. Vélenaker, Ahele, Véagid, Anaché. Tu dois enlever aussi la graisse. Il y a des graisses qui sont interdites dans la viande. Et d'enlever le nerf sciatique. Vélimloch, Abassar, et aussi Limloch, Abassar, c'est-à-dire de mettre de cachériser cette viande-là. Et de bien la rincer juste avant qu'on cachérise une viande. Il faut savoir qu'on doit rincer la viande et après on fait la cachérisation. Et de cuire cette viande-là dans des ustensiles qui sont neufs. Qui a kelim shayulaim ikodem, parce que les ustensiles qui étaient juste avant, parce qu'ils ne faisaient pas de différenciation entre le lait et la viande. Ils mangeaient le lait et après ils mangeaient la viande. Alors, ils ont maintenant ces marmites-là et tout cela, c'était assou parce que qu'est-ce qu'ils ont cuit avant Matan Torah? Maintenant, quand ils ont reçu la Torah, c'est fini, ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas cuire. Ah, tu vas me dire, tu sais quoi, Ouven, fais à la hèche. Fais michoui. Prends cette viande-là, fais la shrita, fais à la hèche, nachon? Alors, regarde. D'après tout le monde, il faut savoir qu'il n'y a pas de machloket, même qu'il y a une machloket dans Rabbi Yossé. Et Rahamim, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Est-ce qu'on a reçu la Torah le 50 ou on a reçu le 51? C'est machloket dans cela. Okay? On a reçu le 7 Sivan ou on a reçu le 6 Sivan. Après Rahamim, on a reçu le 6 Sivan. C'est pour ça qu'on dit Yom Hashishi. Lequel Hashishi? La Gemara dit Hashishi, Kavana, le 6 Sivan. Et Rabbi Yossé, il dit, on a reçu la Torah le 7. Mais d'après les deux avis, on a reçu la Torah Shabbat. Alors, puisqu'on a reçu la Torah Shabbat, quand ils sont descendus du mont Sinaï, ils ne pouvaient pas quoi? Ils ne pouvaient pas faire la Shrita. Ils ne pouvaient rien faire. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient devant eux? Ils avaient rien que du fromage et rien que du lait. Au Torah, בספר תורה לחיים כתב, הטעם שאוכלים מאכלי חלב ביום מתן תורה על פי האגדה. מנור, לתורת חיים, לוי, אבא מציע, לוי דיקווה. כאלה לרזון פוקו מונש, דולי, אדו פרומאז' מתן תורה, שדפרי להאגדה. להאגדה לקונט, כאן הקדוש ברוך הוא, כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל, כי תרגו עליהם המלאכים. Quand Kadosh Baruch Hu est venu devant Am Israël pour donner la Torah, les gens ils ont dit quoi? Tu vas donner maintenant à Am Israël la Torah? Ils vont fauter. Qui ratzou le kabel et la Torah la Hassan, parce que les malachim, les anges, ils ont voulu prendre la Torah pour eux-mêmes. Amar lahem Kadosh Baruch Hu bekuleru zimnim katargin alehon. Tout le temps, vous réprimandez Am Israël, vous dites que Am Israël, non, ils n'ont pas le droit de recevoir la Torah. Regarde comment ils font Am Israël. C'est ça que, à chaque fois, vous faites les malachim. Et voici que vous, quand vous étiez devant Abraham,
Gabé Abraham, Achitou, Basavé, Chalap, voici que quand vous étiez devant Abraham, vous avez mangé de la viande et du lait. Je n'ai marre, Veika, Chem, Ave, Chalap, ou Benamakaracha, Asa, voici que lui qui l'a pris qui? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Chem'a, c'est quoi? C'est du beurre. Halab, c'est le lait. Et aussi, il leur a donné Ben Bakar, c'est de la viande. Alors voilà, vous avez mangé, vous les anges, vous avez mangé Halab et Bassar. Ve'il utinok shel Yisrael enochel Bassar ve'halab yachad. Et voici qu'un enfant, même un bébé, il ne mange pas de la viande et du lait ensemble. Miyad alchou lahem bepachen nefesh. Les gens, ils se sont sauvés. L'Achouma, que le Bokou l'a dit, regardez-vous, regardez les bébés d'Israël. De la reine, Noagim, les chones, pour cela, on a le minag de manger, ma'achale chalav, peyom matan Torah. Et maintenant, comment? Alors, il faut savoir. On mange en premier le lait et du halab et du fromage. Et après, qu'on s'est bien essuyé, et on a mangé quelque chose, alors là, on peut manger de la viande. Chez Yahoua Malachim, Shan, Onizarim, Yafé, Bediné, Bassar, Bechala. Comme ça, les gens, ils vont voir que nous, voilà, on fait attention comment de manger de la viande, mais avant, on mange du fromage, on s'essuie, on boit quelque chose, et après, on mange de la viande. וכן כתב בספר מקדשש צריכים להיזהר שלא לאכול מחלי חלב אחר בשר כי אם בעבור שש שעות פופת חיית ורסון דפה מורשה דפרומאז' ודולה אפרי לביון סלמור אין כפרי סיזר מחלוקת ראשי וחכמים פוקווה זה אסור פוקווה הוא דועת טון סיזר זה מחלוקת ינק ידיר que puisque le goût de la viande est encore dans l'estomac, hein, qu'après 6 heures ça part, il y en a qui veut dire que Mishum Bassa Ben Ashinaim, la viande qu'elle est entre les, dans les dents. Moi, il y a des nafkaminotes. Si par exemple une femme, en général, avant il n'y avait pas le moulinex. Si maintenant une femme, elle a pris de la viande, elle l'a mis dans sa bouche, l'a mâchée pour donner à son fils. En fin de compte, elle a rejeté tout cela. Elle a donné à son fils. D'après certains, ça serait assaut, parce qu'il y a encore des morceaux de viande dans la dent. Et d'après l'autre avis, qui dit que puisque ton estomac, il n'y a pas de viande, alors ça sera moutard. Ou okay? L'inverse. Si tu as avalé de la viande et tu n'as pas mâché, tu vois que tu l'as avalé. D'après un avis, ce sera moutard. D'après l'autre avis, ce sera assaut. Alors il nous dit le Rav. Il faut faire très très attention de ne pas de chercher des coulottes, pas de chercher d'être pas rigoureux dans les liens entre Bassar et Khalaf. C'est bon, Shavuot, on est métiri. Il faut que tu... En général, comment on fait, Rouven? Il y en a qui sont réveillés toute la nuit. Alors, ils reviennent à Beth Knesset, ils rentrent chez eux à la maison, ils font kidouche avec Khalaf et Khalavi, maisonnotes. Après que tu as fini de manger, tu vas te reposer. Après que tu t'es levé, tu fais, il y a de la viande. Tu remanges. Tu ne fais pas le kidouche parce que tu as déjà fait le kidouche. Tu manges et tu dors. Mais tu manges du pain. Il faut savoir, non, tu as dormi déjà. Combien tu as dormi? 4-5 heures, ça suffit. Quand tu reviens à la Beth Knesset, c'était 8 heures. 7h30, 8 heures. Tu manges le petit déjeuner avec les enfants, avec la femme. Et après, tu vas après. Et s'il ne dort pas, il se réveille. Vous êtes vite en pleine forme, pas la femme des enfants. Ils dorment pour eux, ils sont dans leur nuit. 8 heures, ils sont encore dans la nuit à Owen. Top. Sinon, eh ben, chacun il fait. Mais il faut faire très attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Quand tu as mangé le lait avant, si maintenant un homme, par exemple, ils vont dormir tous, ils se réveillent à midi, ils veulent faire le repas aussi du lait et de viande, alors il faut faire très attention de faire en premier le repas de lait. Nous en Israël, plus on est mekel pour les fromages. Maintenant, il y en a qui veulent dire qu'en Khoussa reste les fromages qui sont durs. Il y en a qui vont être mahmirim de attendre 6 heures. En Israël, la majorité des fromages, et même le Rav Yitzhak Yosef, il n'est pas mechalé dans cela. Tu prends un fromage, même qu'il est dur, tu peux, après que tu as mangé, tu te laves la bouche, tu te rinces la bouche. Tu manges un morceau de pain, tu te laves les mains,
Parce que entre le lait et le, après la viande, il faut se lever les mains. Parce que tu as touché le fromage. Et après, tu peux manger de la viande. Maintenant, il faut enlever la nappe. La nappe que tu avais, le pain aussi, il faut l'enlever. Parce que le pain que tu as mangé du lait, tu n'as pas le droit de manger de la viande avec ce même pain. Ou l'inverse. Le pain que tu as mangé de la viande, tu n'as pas le droit de le manger avec du lait, etc. Mitzvah le'echol be'yom tov basar be'ema le'kayem be'ze mitzvah simchat ahad. C'est une mitzvah de manger yom tov de la viande pour faire la mitzvah. She'en simcha le basar be'ema. Parce que la simcha, c'est seulement quand tu manges de la viande. Yaval pi shemi ikara mitzvah le basar be'ema. Misheno yechol le'echol basar be'ema. Oui, oui, exactement. Et t'amé bouyoudou kashuot. Chol le'kayem. Mitzvah simcha bebasar ov. Même que selon la halakha, il faut manger de la viande rouge, un homme comme lui qui ne peut pas manger de la viande rouge. Lui, il va te dire, moi, lui, il n'a pas la simcha quand lui, il mange de la viande rouge. Lui, il est poulet, steak poulet. Il n'a pas de simcha quand il y a de la viande rouge. Alors, il faut savoir, il faut que lui, il y a une mitzvah, et samarta behagecha vaeta ar samer. Oui, il y a une mitzvah de être samer beyom. Donc c'est pour cela qu'on mange de la viande et du vin. Si un homme, lui, ne peut pas prendre de la viande, alors il peut manger, par exemple, du poulet. Et si même un homme, lui, il se dit ni poulet, ni viande, lui, il est végétarien. Il mange rien que des fromages, des salades. Il ne peut pas. Il voit de la viande, ça ne marche pas, ça ne rentre pas. Eh bien, c'est moutard, même Yom Tov, de manger des fromages, même Yom Tov. Aïka, qu'il aura la simcha. Yachol le kayem mitzvah simcha basabehov, vechen ishte yain le simcha tachar. Aval, lo imasher etem midday achar basabah yain. Il dit le rab, ne va tombe pas trop avec le vin et la viande. Pourquoi? Pour éviter d'avoir cloutroche. Qu'est-ce que veut dire cloutroche? La tête légère. Légèreté d'esprit. Quand un homme il boit un verre, ça va. Deux verres, ça peut-être ça va. Après trois verres, il y en a que ça va bien et il y en a que ça va pas bien. Ça dépend. Quand un homme il a une tête, un esprit légère, ça ne s'appelle pas qu'il est samehar. Il faut savoir, simcha, c'est intérieur. Il dit le Orot Sadikim, la simcha, okay, tu vois chez l'homme que son visage, il est clair. Ce n'est pas que lui qu'il est un clown. Ça ne s'appelle pas Simcha. Ça s'appelle un clown. Il faut savoir, la majorité des clowns, ils sont tristes. Il faut la Simcha, c'est ça le travail, qu'elle est intérieure. On voyait le Rav Kadouri, Zichron Tzadik Vara, on s'approchait devant lui, il souriait. Mais pas ça, il souriait. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la Simcha Amitit, Simcha Tatora. Il nous dit le Rav Elon Stavenu Ella al Simcha Sheshba Avodat Ayotze Itbarach Shemo. Nous on est ordonné d'Akadosh Baruch Hu, la mitzvah, elle est d'avoir la Simcha pour travailler Akadosh Baruch Hu, Hashem Yizakenu Ken Yehi Ratzon.